à Sastolmo conduit, Élisabeth d'Autriche, Sissi, passa des vacances sportive et même intrépide en 1875. Danielle Soret, vous êtes une spécialiste de l'histoire du pays des hautes falaises. Racontez-nous. C'est un concours de circonstances. Imaginez-vous, même si ça paraît incroyable, que l'ancien propriétaire du château, qui avait un sérieux penchant pour le jeu, avait dû vendre le château. Mais il était à la cour de Vienne. Un docteur conseille à l'impératrice que pour sa fille, Marie-Valérie, 8 ans, elle puisse changer d'air et pourquoi pas dans son château. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Danielle, vous allez bien? Oui, merci. Comment vous faites pour cultiver le mythe de Sissi? Le château a été transformé en hôtel il y a 32 ans, oui. En hôtel-restaurant. Et nous, ça fait 18 ans qu'on est arrivé avec mon associé. Et autrefois, le château s'appelait Château de Sasto. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'appelle pas le château Château de Sissi, tout simplement, oui. Où on séduit une clientèle de jeunes enfants, 7-8 ans, des petites filles qui sont fans de Sissi, qui sont fans de princesses, et qui viennent même en robe de princesse. Ça, on a déjà vu plusieurs fois. D'accord. Jusqu'aux personnes plus âgées, férues d'histoire, qui ont fait des passages par l'Autriche, par la France, par tous les endroits où Sissi a séjourné, où est passé. Élisabeth d'Autriche, elle faisait plus que des promenades, elle faisait de l'équitation. Tout à fait. Elle était passionnée par l'équitation. Et donc, elle avait même un maître d'équitation. Et un jour, ce maître d'équitation a poussé Zouave, le cheval de Sissi. Ça a été la chute. Et la chute s'est passée contre un arbre. On a appelé le médecin du village, qui a eu l'incroyable honneur d'examiner l'impératrice. Elle a été choquée, certes, mais sans non plus trop de gravité. Elle a fait beaucoup d'équitation et puis évidemment, si elle vient en Normandie, c'est pour se baigner. Elle adorait nager, elle avait appris à nager, ce qui est complètement extraordinaire pour cette époque-là. Et elle avait appris à nager dès son enfance dans les lacs. Elle est audacieuse, elle aime faire du sport d'une manière un peu excessive pour une femme de l'époque. Il va lui arriver évidemment quelque chose ici dans l'eau. Elle était montée sur un yacht, elle a voulu nager au large, elle s'est fait prendre par un courant. C'est là que Monsieur Poré, qui est le pilote du yacht, a sauté pour la sauver. Et comme elle est très généreuse et reconnaissante, eh bien, elle a dédommagé ce Monsieur Poré. Et elle a pris en charge toute l'éducation et l'instruction de son fils, qui est devenu ingénieur. Et très jolie fin de l'histoire, il a inventé ce fameux boulet de poussière de charbon qui va devenir le boulet de charbon.